Bonsoir à tous, je suis Mariam Moussa-Giroud, directrice de Cannes Université. Je suis ravie de vous accueillir une nouvelle fois sur la page Facebook de l'association, une nouvelle fois avec Sarah Yalda, notre partenaire des Cannes Conférences qu'on organise avec la ville de Cannes et qu'on est obligé aujourd'hui d'organiser en fait en ligne à défaut de pouvoir les organiser sur place à Cannes. Et je laisse la parole à Sarah. Qui va accueillir et interviewer Maxime Rovert, philosophe, qui a beaucoup de choses à nous dire sur le lien en ces temps où les liens sont un peu distendus. Sarah, à vous. Merci, bonsoir à tous, merci Mariam et merci à vous tous de nous avoir rejoints sur la page Facebook de Cannes Université. Ce soir, nous sommes très heureux de vous réunir autour du philosophe Maxime Rovert. Bonsoir Maxime. Bonsoir, bienvenue à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation, Maxime. Vous êtes normalien, professeur d'université, vous avez enseigné la philosophie aux quatre coins du monde, de l'École normale supérieure de Lyon à l'Université de Rio de Janeiro, où vous avez passé 4 ans. Vous êtes rentré en France il y a un an et demi. Vous avez enseigné également à la prestigieuse Université de Princeton aux États-Unis, à Buenos Aires. Et puis depuis quelques mois, vous êtes à Amsterdam. Alors cette fois, non pas pour enseigner, mais pour écrire. On vous doit Le clan Spinoza, publié chez Flammarion, est traduit dans une dizaine de langues. C'est un ouvrage de référence sur Spinoza qui vous a placé parmi les philosophes les plus prometteurs de votre génération. Alors, cette reconnaissance aurait pu vous enfermer dans la recherche universitaire, mais vous aimez surprendre. Et en 2019, vous publiez Que faire des cons pour ne pas en rester un soi-même? Immense succès de librairie. Et c'est vrai que c'est très réjouissant de lire un philosophe déchiffrer la connerie de manière si intelligente et si structurée. Dans votre dernier essai, L'école de la vie, qui vient de paraître chez Flammarion, enfin qui est paru dans cette dernière rentrée littéraire, vous présentez la relation d'apprentissage. Alors cette relation d'apprentissage, elle peut être à l'école, bien entendu, mais aussi dans la vie, comme une relation magique de désir et d'amour. Alors ce soir, à la veille des fêtes de Noël, cette année si particulière, mais qui normalement, ces fêtes de Noël sont un moment privilégié pour réunir ceux qu'on aime, on a voulu aborder avec vous le thème du lien entre distance et présence, comment resserrer nos liens. Alors, cher Maxime, nous nous parlons depuis un écran. Comment considérez-vous cette situation? Est-ce que c'est de la communication virtuelle ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose de présent dans cette communication? Alors, c'est vrai que nous sommes dans une situation très particulière puisqu'on aurait tendance à penser qu'avec la distance, le lien physique n'existe plus. Et que d'une certaine manière, on pourrait dire qu'on pense les uns aux autres, mais en réalité, nos corps ne sont plus en contact. C'est vraiment avoir une approche très simple du corps. En réalité, le corps est capable de s'étendre d'une manière très particulière, et notamment les nouvelles technologies. Donc, le téléphone, la visioconférence, nous permet de nous mettre malgré tout en lien. Alors, la grande difficulté, c'est de prendre ce lien au sérieux, mais sans non plus lui attribuer des vertus qu'il n'aurait pas. C'est-à-dire que, bien sûr, ce qui compte, ça n'est pas tellement le fait de s'entendre ou de se voir, c'est la qualité de l'attention qu'on est capable de se donner les uns aux autres. Donc, je fais confiance à ceux qui nous regardent pour nous regarder vraiment, c'est-à-dire à un moment arrêter les perturbations extérieures et focaliser leur attention sur ce qui est dit. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que la présence ne souffre pas d'interruption. C'est-à-dire que en même temps que l'on peut se concentrer et que je dirais la qualité de l'attention que l'on donne définit l'attention, enfin la présence du corps. Et pour le comprendre, il faut penser aussi à ces situations où on n'est pas tout à fait présent, même si on est dans la même pièce. Hein? Alors, je parle dans l'école de la vie de la situation des enfants à l'école et même des adolescents et même des adultes une fois qu'ils sont à l'université.
En réalité, ils ne sont pas toujours présents. Il y a parfois des moments où non seulement ils sont sur leur téléphone portable, ce qui est courant maintenant, mais où de tout temps, et c'est très bien décrit dans Tom Sawyer, par exemple, Mark Twain a une très belle scène où Tom regarde, on est en plein été, il regarde les vaches par la fenêtre et il trouve ça tellement plus beau et tellement plus intéressant de voir les vaches paître dans le champ que d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Donc la présence de Tom dans ce moment d'inattention n'est clairement pas définie par le fait que son corps est dans la classe. Il vague à d'autres occupations, à d'autres rêveries. Bien de la même manière, lorsqu'on se parle maintenant, mon corps est en lien avec le vôtre, avec celui de ceux qui nous écoutent, parce que je leur donne de l'attention, je donne de l'énergie ici. Et néanmoins, je suis aussi en interaction avec l'environnement dans lequel je suis. En l'occurrence, je suis dans un institut de recherche où les gens sont respectueux, silencieux, et c'est à partir de ces conditions-là qu'il m'est possible de réfléchir et de faire de la philosophie avec vous. Lorsqu'on parle donc de situation d'apprentissage où on demande aux élèves ou aux étudiants d'apprendre en distanciel, comme on dit, c'est devenu le mot à la mode, en réalité, il faut faire attention à cet entrecroisement, je dirais, de plusieurs situations de présence simultanées. C'est-à-dire que ça n'est pas impossible d'être présent les uns aux autres par écran interposé, mais on sera toujours aussi simultanément présent à l'environnement immédiat dans lequel on se trouve. Donc, c'est cet environnement immédiat qui devient absolument fondamental. C'est-à-dire, quand vous avez des élèves qui sont dans une salle de classe, l'environnement a déjà été préparé. Lorsque vous avez des élèves ou des étudiants qui sont chacun dans des environnements que vous ne maîtrisez plus, ça signifie qu'il va leur appartenir à eux, à leur famille, à leurs proches, de créer un environnement qui permette de réfléchir et de donner cette qualité de présence à l'enseignement. C'est très difficile. Oui, c'est-à-dire, il faut une attention plus soutenu pour que ce travail à distance puisse fonctionner et puisse nous rapprocher les uns des autres. On pourrait même dire que dans cette difficulté du travail à distance se révèle quelque chose qui est vrai en permanence et qui est le fait que nous sommes en lien les uns aux autres, mais dans un lien physique. C'est-à-dire que, bien sûr, nous avons tous tendance à penser qu'un corps humain se trouve, grosso modo, je dirais, à l'intérieur de la peau. C'est-à-dire que mon corps, c'est ce qui se trouve du côté que vous ne pouvez pas voir de mon épiderme. Et nous serions comme ça en contact à partir de superficies qui nous permettraient de nous saluer comme ça de loin. En réalité, cette conception du corps humain est totalement visuelle. C'est-à-dire qu'elle elle exagère l'importance de cette limite qu'est la peau, qui est une limite absolument essentielle pour notre physiologie, mais aussi même pour notre psychologie. Il y a un très beau livre de Didier Anzieu qui s'appelle « Le moi-peau » et qui étudie comment le nourrisson construit sa psyché autour justement de ses interactions physiques tactiles. Pourtant, le tact n'est qu'un de nos cinq sens, et même on pourrait en rajouter d'autres parce qu'en réalité cette numérotation de cinq sens est un peu simplifiée. Et on s'aperçoit bientôt qu'en tenant compte de l'attention, en fait, nos corps travaillent ensemble en permanence du fait de leur coprésence. C'est-à-dire que, au lieu d'être un individu isolé, je suis un individu en lien, par exemple, maintenant, avec tous mes collègues qui ne sont pas dans la pièce parce qu'ils savent que nous sommes en train d'enregistrer une vidéo, ou qui, s'ils entrent, vont être particulièrement précautionneux, ou qui peut-être auront envie d'intervenir et de surgir brusquement et de venir participer à cette conversation. Et cette manière d'être ensemble, c'est justement ce qu'a révélé la pandémie, c'est-à-dire, en réalité, vous savez, les corps ne sont pas les corps humains, mais d'autres corps également, ne sont pas complètement isolés. Nous ne sommes pas des atomes qui nous mettons ensemble pour faire une société. Nous sommes plutôt pris dans des fils relationnels. Alors la présence l'attention sont des fils particulièrement fragiles mais aussi perceptibles, et au fond chaque individu est un petit nœud, un petit terminal à l'intérieur de ce vaste réseau. De manière générale, le travail à distance, l'enseignement à distance en ces temps de pandémie se généralise. Quel est votre regard sur ce phénomène qui est devenu un phénomène de société? Complètement. En fait, je crois que, vous savez, la technologie était prête
pour ce type d'expérimentation. Et puis la pandémie l'a extrêmement accéléré, comme c'est logique en temps de crise. En revanche, ce qui est désagréable pour les profs, c'est qu'on leur a présenté comme une solution ce qui en réalité est un problème. Alors, ce qui est fort, c'est que le corps enseignant a une capacité d'apprendre souvent remarquable. Donc, les profs se sont mis à jour, ont improvisé, ont bientôt maîtrisé des outils qu'ils ne connaissaient pas. Et en même temps, on a l'impression que, comme il y a des pouvoirs technologiques, des entreprises qui ont des fins lucratives derrière tout cet engouement, on a un peu surévalué la manière dont les nouvelles technologies allaient pouvoir nous permettre de faire circuler les savoirs. Il y a quelque chose d'intéressant dans les possibilités qui nous sont offertes. Par exemple, quand vous pensez qu'aujourd'hui, un étudiant africain peut s'enregistrer, enfin, s'inscrire dans une université américaine prestigieuse sans nécessairement avoir besoin de quitter son pays, de trouver des financements pour pouvoir vivre, etc. Donc, on a l'impression que ça ouvre des possibilités décuplées pour des pays où les structures d'enseignement ne sont pas encore suffisamment stabilisées, suffisamment fermes et d'un niveau satisfaisant, je dirais. En même temps, il ne faut pas méconnaître la manière dont fonctionne réellement l'apprentissage. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des machines qui téléchargeons du savoir avec la même facilité qu'on peut télécharger un document ou qu'on peut regarder un film ou un film en streaming, par exemple. La machine humaine, justement parce qu'elle est, comme je le disais tout à l'heure, une machine en réseau, mais dans un réseau de corps présents, dépend énormément des échanges qui ne sont pas visibles justement dans la relation virtuelle. En particulier, dans un cours, on pense toujours à la relation entre le prof ou la prof et les élèves. Mais en réalité, ce qui est absolument fondamental dans les institutions d'enseignement, ce sont les relations entre élèves. Je vous donne un exemple tout simple. Les élèves qui s'ennuient se regardent les uns les autres. Quand ils regardent ceux qui ne s'ennuient pas, mais qui sont attentifs, ça crée un effet qui contribue à valoriser ce qui est enseigné du fait d'un échange qui est tout à fait simple, qui est tout à fait physique, entre des corps qui, je dirais, sont prêts à donner leur attention à ceci ou à cela, mais qui peuvent être pris dans un effet de groupe qui est un effet justement de concentration. On le sent très bien quand on est prof, on dit qu'on tient sa salle. On sent qu'en fait, ça crée un effet de groupe qui ne laisse presque personne sortir de cet effet d'attention. Et puis, il y a tous ces moments, et même nous qui sommes chercheurs ici, nous le ressentons très fortement, et il y a tous les moments qui ne sont pas considérés officiellement comme des moments d'apprentissage et dont nous savons qu'ils sont peut-être les plus précieux dans l'apprentissage, c'est-à-dire avant que le cours commence, pour nous, avant que le séminaire commence, et après qu'il est officiellement terminé. En réalité, il y a là des échanges qui sont des échanges fondamentaux. Pourquoi ? Pas seulement parce qu'ils sont informels, c'est-à-dire qu'on va se dire d'une manière plus sincère « j'ai pas compris » ou alors « c'est peut-être pas juste ». Enfin bref, on va entrer dans l'espace du doute qui est fondamental pour fabriquer du savoir, mais aussi on va encastrer, comme on dit en sociologie, les savoirs qu'on a reçus à l'intérieur d'une complexité sociale beaucoup plus grande, c'est-à-dire lorsque les élèves se commentent le cours qui a été donné, mais même en termes affectifs, c'est-à-dire ça t'a plu, ça t'a pas plu, j'ai trouvé ça ennuyeux, j'ai trouvé ça intéressant. En fait, dans ces échanges-là, qui paraissent secondaires, se joue quelque chose d'absolument fondamental, qui est encore une fois la pénétration du savoir à l'intérieur d'une psyché qui est très complexe et qui s'intéresse à beaucoup de choses, y compris donc à ses relations avec d'autres humains. Donc, tout ce qu'on perd avec le numérique, avec la relation virtuelle, c'est pas tellement la présence réelle des corps, puisqu'il y a quelque chose de très réel qui passe dans le virtuel, comme on dit, enfin dans les nouvelles technologies, c'est l'attention dont nous avons parlé tout à l'heure. L'attention, ça peut marcher. En revanche, ce qui ne marche pas, ce sont tous ces liens beaucoup moins centralisés
qui se produisent dans les groupes, en fait. Et c'est aussi ce qu'on voit dans les salles de spectacle. Pourquoi est-ce que les gens continuent d'aller au cinéma? Pourquoi est-ce que c'est si terrible d'être privé de spectacles, de théâtre, de concerts, etc.? Parce que ce sont des lieux où on fait sans cesse l'expérience de cet effet de groupe, d'amour commun pour un chanteur ou une chanteuse, d'intérêt commun pour une forme musicale ou une forme théâtrale. Et dans cette communion-là, il y a quelque chose d'humain qui est fondamental. C'est ça qui se perd dans le virtuel. C'est ça qu'il va falloir retrouver très rapidement quand nous sortirons à nouveau du confinement. Mais justement, Maxime, est-ce que avec cette généralisation de télétravail, d'enseignement à distance, ou même juste de cette utilisation de vidéos entre amis, entre les membres d'une même famille, est-ce que ça ne nous mène pas à un changement de société? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas vers une société à distance? Ce qui est certain, c'est que nous sommes désormais de moins en moins rétifs à la distance. Quand j'étais enfant, il y avait encore des adultes qui résistaient même au téléphone, qui n'aimaient pas parler au téléphone, qui ne supportaient pas cette relation, au fond, dangereuse, parce qu'on ne sait pas où est la personne, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on a des relations encore beaucoup plus dangereuses, notamment par texto, puisqu'on s'envoie souvent des petits mots dont on ne sait pas à quel moment ils seront reçus. Et comme vous savez, dans les groupes WhatsApp, il y a souvent des disputes parce qu'un tel fait une plaisanterie que l'autre reçoit au mauvais moment, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant dans cette situation, c'est que les jeunes corps s'habituent très tôt à entrer dans des relations très intenses sans que la présence soit nécessairement physique au sens effectivement de coprésence quand on est dans la même pièce. Ils savent être présents les uns aux autres à distance. C'est quelque chose qui, pour moi, qui ne suis pas né avec un téléphone portable entre les mains, est nouveau et en quelque sorte étrange. C'est-à-dire que j'ai tendance à valoriser la personne qui est en face de moi plutôt que la personne qui est au bout de mon smartphone. Pourtant, si les nouvelles générations sont capables d'être coprésents à plusieurs endroits en simultané, y compris bien sûr avec la personne ou les personnes avec lesquelles ils sont physiquement, réellement, je crois que quelque chose change qui est fondamental et qui est le rapport au corps et le rapport au lien. Je le vois plutôt d'un point de vue positif lorsqu'il s'agit de faire du lien, c'est-à-dire d'être susceptible d'être proche de ce qu'on aime, même lorsque la distance nous sépare. Donc ça, c'est une possibilité, je veux dire, merveilleuse. Et en même temps, il y a des inconvénients, c'est-à-dire, par exemple, il devient plus difficile d'être réellement en voyage, puisqu'il devient difficile de s'éloigner radicalement de son milieu, puisque ça va être mal pris. Pourquoi est-ce que, voilà, parce que évidemment c'est mondialisé, donc ça c'est un premier problème. Et surtout le plus embêtant, le plus contrariant, c'est que ces corps très capables de se relier à distance sont tendanciellement moins capables de s'écouter en présence, d'être attentif aux subtilités et aux possibilités de la présence. Donc, je crois qu'il faut, c'est en prenant conscience, en fait, à la fois des possibilités de la distance et des richesses de la présence, qu'on peut continuer sereinement, à la fois à accueillir des possibilités technologiques nouvelles et aussi savoir les mettre à distance, c'est le cas de le dire, en tout cas, savoir en avoir un usage intelligent pour préserver, malgré tout, les corps humains que nous sommes. Mais vous voyez, là, par exemple, je ne parle pas des jeunes générations, mais disons pour ceux qui ont plus de 20 ans, plus de 30 ans, les trentenaires jusqu'à et plus âgés, quand nous sommes loin les uns des autres, et nous nous sommes rendus compte de ceci pendant le confinement, ces fêtes de Noël où les familles ne vont pas forcément tous se voir, se réunir, on a tendance à se sentir triste. Est-ce que cette jeune génération, du point de vue émotionnel, est différente de la nôtre? Et pourquoi nous, on est si triste quand on est loin les uns des autres? Alors, c'est une belle question parce que au fond, c'est là qu'on voit que le corps humain, même s'il est fait principalement d'attention, a aussi besoin d'une attention qui est très physique, qui passe par
par cette chaleur humaine hein, qui est difficile à décrire, mais qui tient en réalité à des circonstances très matérielles, très, très concrètes. Je veux dire, c'est un environnement familier, ce sont des manières de se parler, de s'écouter, bien sûr. C'est cette familiarité, notamment dans le vocabulaire, qui fait que nos amis nous manquent, pas seulement parce qu'on les connaît depuis longtemps, principalement parce que nous sommes attachés à leur bien-être et à leur, au fait de parcourir la vie ensemble. Mais il y a aussi quelque chose qui tient, par exemple, au vocabulaire qu'on emploie. Et c'est ce vocabulaire aussi qui nous permet d'être nous-mêmes et de nous reconnaître. Donc, on pourrait dire que la raison pour laquelle on est triste quand on est séparé de ses proches, lorsqu'on est loin de ses proches, c'est parce que notre co-appartenance, c'est-à-dire l'expérience que nous pouvons faire que notre corps est en partie commun. C'est-à-dire que je ne suis pas, comme je le disais, seulement un être prisonnier à l'intérieur de ma peau, mais que je suis aussi un être en lien et que, en fait, j'appartiens. J'appartiens à une famille, j'appartiens à un pays, j'appartiens à tout un tas en fait, d'organisations qui ont plusieurs échelles. On peut s'identifier aussi à son pays, à l'Europe. Enfin, on peut s'identifier à peu près à n'importe quoi, à vrai dire, mais qui soit plus grand que soi. Et il me semble que c'est lorsque ce sentiment d'appartenance cesse d'être mieux qu'évident, cesse d'être vécu, cesse d'être perçu, que réellement on ne se suffit plus à soi-même. Et je crois que l'un des enjeux, pas seulement de la pandémie, mais de notre avenir, c'est justement de savoir être attentif à ce lien qui n'est pas un lien de tolérance, comme si en fait, bon, il fallait accepter de vivre ensemble sans vraiment s'aimer. J'ai l'impression que l'expression « vivre ensemble » s'est vulgarisée à partir justement d'une sorte de minimum vital, c'est-à-dire, oui, on vit ensemble au sens où dans les villes, bon, ben, évidemment, il y a d'autres habitants et donc il faut vivre ensemble au sens où il ne faut pas faire trop de bruit. Il me semble que justement l'expérience du confinement nous a rappelé que vivre ensemble, c'est vivre positivement ensemble, c'est-à-dire se vivre ensemble physiquement dans un engagement qui est un engagement, je dirais, affectif, qui est un engagement de soins, de préoccupations, et qui est un engagement dans lequel notre appartenance nous construit aussi comme individu autonome. Et je dirais que l'idée que les individus urbains puissent être autonomes simplement parce que ils travaillent, ils s'assument, ils sont capables d'aller faire les courses facilement, etc. Et qu'au fond, on a mis en place une société qui serait bien organisée, méconnaît le fait qu'en réalité, il n'y a pas d'autonomie là où il n'y a pas d'appartenance. Donc, nous ne sommes pas des atomes humains qui se mettent ensemble pour que ça fonctionne mieux. C'était un peu le modèle de Platon, c'est-à-dire, bon, ben, au fond, on va répartir les fonctions entre nous, et puis comme ça, ça va faire une cité. Je crois qu'il y a quelque chose de très fort dans cette tristesse dont vous parlez, et qui est le fait que, une fois que nous sommes séparés les uns des autres, nous nous fanons comme des fleurs, quoi. Et donc, il faut entretenir ce lien par tous les moyens possibles, et faire en sorte que, encore une fois, nos efforts d'autonomie soit cohérent et, je dirais, fonctionne en circuit comme un peu des roues d'engrenage, si vous voulez, avec nos efforts pour appartenir, quoi, les uns aux autres. En fait, lorsqu'on est ensemble, il se crée une relation magique qui va au-delà de nous, au-delà de notre volonté. Oui, parce qu'en réalité, elle travaille ce que j'appellerais l'inconnu du corps, c'est-à-dire que soi-même, on ne sait pas très bien ce qui se passe dans son propre corps. Bien sûr, la science médicale l'étudie, etc. Mais on ne connaît pas parfaitement le corps humain et chacun, évidemment, n'est pas au courant de ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Eh bien, de la même manière, lorsqu'on est en groupe, il y a un échange de phéromones, de tout un tas de choses qui sont inaperçues de la conscience et qui structurent en fait notre expérience de l'existence, notre expérience de la vie. Et donc, être en connexion, comme on dit, avec cet inconnu, c'est se rendre compte qu'il n'y a pas de choix à faire entre être avec les autres ou être avec soi-même. C'est-à-dire, se construire, c'est nécessairement se construire socialement dans un environnement qui parfois est hostile,
ou difficile pour les uns, qui parfois est favorisé et bienveillant pour d'autres. Mais de toute façon, il y a un défi là. Et ce défi, en fait, c'est celui que je viens de décrire entre l'autonomie et l'appartenance. Et ça consiste justement à explorer ces relations inconnues, parfois incontrôlables, qui régissent les rapports entre les corps. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on réfléchit de cette manière-là, qui définit ce que moi j'appelle la philosophie interactionnelle, mais on n'a pas besoin de mots très très savants pour le percevoir, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui est très ancré dans le corps. Eh bien, évidemment, on va changer d'attitude, soit par rapport aux conflits, puisqu'on va les accueillir d'une manière en fait plus bienveillante qu'on aurait tendance à le faire lorsqu'on intellectualise trop. Et ça, c'était l'objet du livre dont vous avez parlé, que j'ai intitulé « Que faire des cons », qui était un travail justement sur cette émotion de rejet, mais qui a tendance justement à partir très rapidement dans des constructions intellectuelles, morales, dans des jugements, et qui elle mérite d'être ramenée à son statut d'émotion et accueillie telle qu'elle est, parce que c'est comme ça qu'elle va résoudre les conflits plus facilement. Et puis, lorsqu'il s'agit d'apprendre, être à l'affût en fait de notre capacité les uns des autres à nous enseigner quelque chose, à nous apprendre quelque chose. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne s'apprend pas seulement des savoirs. Bien sûr, moi, j'ai étudié vraiment les interactions productrices de savoir, c'est-à-dire la manière dont on peut se transmettre des savoirs structurés. Mais je crois que l'école de la vie, c'est aussi être attentif à la manière dont nous pouvons apprendre les uns des autres en permanence, pas pour apprendre des disciplines, mais pour explorer plus avant cet inconnu du corps, cet inconnu des autres, cet inconnu qu'on est soi-même et dont on ne peut faire l'expérience que dans les interactions. Là, il y a quelque chose de vraiment fascinant. Oui. Il y a des voix qui s'élèvent, enfin des scientifiques, des sociologues, qui nous mettent en garde en disant que le temps passé devant les écrans aggrave notre sentiment de solitude. Alors, vous avez une conception du corps. Je voulais vous interroger sur cette conception du corps. Comment éclaire-t-elle la solitude contemporaine ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tendance à penser que... En fait, on pense la solitude contemporaine à partir d'un corps souffrant, triste, dépressif. Vous savez que la consommation d'antidépresseurs est alarmante en France. Et il me semble que le premier changement de paradigme à proposer consiste à considérer que personne n'est seul. En fait, là où quelqu'un se sent seul ou abandonné, il y a nécessairement des liens qui non seulement sont actifs, mais qui en plus dysfonctionnent et sont, je dirais, déterminés à l'enfermer dans cette solitude. Donc, bien sûr, les technologies sont en partie des outils pour, des outils qui laissent dériver des personnalités déjà enclines à ce repli sur soi, de manière totalement incontrôlée. Évidemment, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas lié en fait à la technologie elle-même. C'est lié au fait que une entreprise à but lucratif n'a pas d'autre but que de faire de l'argent. Et donc, celui qui vous vend des jeux vidéo conçoit le jeu de telle manière qu'il soit addictif. Celui qui conçoit un réseau social va lui-même mettre en place des... Voilà. Et donc, c'est vrai que nous pouvons penser pour l'avenir des normes pour réguler justement la manière dont ces technologies ont permis à certaines entreprises de vraiment mettre le grappin sur le corps. Mais il me semble qu'au-delà de cette question juridique, il y a vraiment une question philosophique pour concevoir le corps différemment, c'est-à-dire, encore une fois, pas du tout isolé dans une définition qui serait strictement individuelle, mais au contraire, concevoir le corps comme quelque chose qui, par définition, est partagé, qui, par définition, dépend de ses interactions avec d'autres corps et qui va se définir progressivement à partir de ses interactions comme joyeux ou triste, comme heureux ou malheureux. Et en fait, souvent, il faut bien dire à quel point le corps est complexe, beaucoup de ces choses à la fois. Et donc, je crois que l'idée d'un corps complexe, c'est une manière aussi de prolonger
un effort philosophique qui a été fait dans les, je dirais, dans les 50 dernières années. La pensée complexe en France, elle a été beaucoup défendue par Edgar Morin. Et aujourd'hui, elle est arrivée à un niveau où ce qu'on peut dire, c'est qu'un corps, au fond, c'est un système complexe. Alors, complexe, ça ne veut pas dire qu'il est compliqué seulement. Ça veut dire qu'il est récursif, c'est-à-dire qu'il est, il est capable lui-même non seulement de s'auto-réguler, comme on le sait avec, par exemple, la température, hein, le corps, selon qu'on a chaud ou qu'on a froid, régule sa propre température, mais aussi qu'il est capable de s'auto-définir, c'est-à-dire que nous ne cessons pas de définir nous-mêmes notre corps à partir de fonctions qui sont différentes. Il y a des fonctions physiologiques très simples, quand j'ai faim, quand j'ai soif, mais il y a aussi des fonctions de définition du corps qui sont très élaborées et qui désormais, qu'on le veuille ou non, sont en interaction avec des technologies. Et donc, je pense par exemple à l'image de soi, hein, bon, qui a longtemps été limitée au miroir et puis au regard que les autres portent sur nous et qui aujourd'hui passe par des réseaux comme Instagram et comme ou TikTok pour les plus jeunes, enfin, par tout un tas d'images qui en fait, viennent à l'intérieur de ces boucles de complexité qui permettent au corps de travailler à son autodéfinition. Donc, pour revenir à la question de la solitude contemporaine, la solitude contemporaine, elle n'est pas seulement liée au fait qu'on laisse des gens seuls dans leur coin et ce n'est pas bien de la part de la société de laisser des gens seuls. En fait, au-delà de cette approche moraliste, il faut bien comprendre que la société, elle est une sorte de tissu, elle est une sorte de trame. Et que lorsqu'il y a des laissés pour compte, des oubliés en fait du système, c'est que en réalité le système a dysfonctionné. Ça n'est pas une erreur. C'est pire que ça en fait. C'est un couac en quelque sorte. Donc à partir d'une conception de la complexité, on va pouvoir revenir à l'idée que le bien-être social, ce n'est pas une option, en fait. C'est exactement comme l'écologie, c'est-à-dire ce n'est pas une ligne supplémentaire à ajouter à notre agenda politique. C'est au contraire la première ligne à partir de laquelle nous pouvons nous définir nous-mêmes, nous pouvons exister nous-mêmes. Et donc, revenir évidemment à ce corps plus ample, c'est-à-dire immédiatement se percevoir comme un corps en lien. Moi, ici, en train de vous parler, qui suis en réalité à l'intérieur d'une grande chose, alors cette chose, c'est l'Institut qui me nourrit, mais c'est peut-être la nature tout entière, c'est peut-être l'univers tout entier. En fait, on peut choisir ces échelles de référence, et c'est aussi en apprenant à choisir ces échelles de référence, en les multipliant, qu'on devient moins fragile. Puisqu'évidemment, les ermites de la grande tradition d'ascétisme, où qu'elle soit d'ailleurs en Inde comme en Europe, chez les Grecs comme chez les chrétiens, en fait, étaient capables de s'isoler parce qu'ils se sentaient en lien avec, alors selon les traditions, c'était le cosmos, c'était les dieux, c'était Dieu, c'était des choses en fait qui, à nouveau, sont plus grandes, des entités plus grandes que l'individu, mais auxquelles l'individu se sent appartenir. Donc, on revient aux deux interactions fondamentales que j'ai décrites tout à l'heure, l'appartenance et l'autonomie, se sentir autonome à l'intérieur d'un ensemble auquel on appartient. Je crois que c'est à partir de cette conception-là du corps et d'un corps, encore une fois, commun, à la fois commun et à la fois individuel, c'est à la fois complètement moi, mais je suis complètement en lien, qui nous permettra effectivement d'utiliser à la fois des technologies qui ont beaucoup d'intérêt pour nous mettre en lien et qu'on évitera de laisser ceux qui utilisent ou qui parfois ont mis au point ces technologies, simplement y recourir pour gagner de l'argent et toujours plus d'argent et faire de nous de simples consommateurs. Mmh. Là, je crois, est le défi pour l'avenir. Mmh. Maxime, avant de nous quitter, si vous aviez un message à donner à notre public sur comment faire pour que l'éloignement ne distende pas nos liens, pour justement qu'on soit autonome dans un réseau de liens, un message court, un message pragmatique, vous voyez, comme celui qu'on griffonne et qu'on jette dans une bouteille à la mer. Quel serait ce message? Alors, peut-être, je dirais, fiez-vous à l'immensité du présent. C'est-à-dire qu'au fond, au lieu de chercher où sont les liens, fiez-vous à ce qui est là, autour de vous,
parce que vous êtes déjà en lien. Le lien, il n'est pas à chercher. Ensuite, si vos proches vous manquent, n'hésitez pas à utiliser tous les recours que vous avez, mais pas pour nier le présent, pas pour effacer la situation où vous vous trouvez, mais plutôt pour augmenter, comme on dit, de la réalité augmentée, augmenter votre expérience du présent, parce que le présent, c'est tout ce que nous avons. Et c'est immense. Merci Maxime. Il nous reste encore un peu de temps. Alors, dans mon introduction, j'avais parlé de votre précédent livre qui suscite la curiosité. Et j'aimerais, puisqu'il nous reste quelques minutes, je voudrais faire un petit clin d'œil à ce livre qui porte ce titre un peu surprenant, « Que faire des cons ?». Alors, c'est exactement la question que j'ai envie de vous poser. La nouvelle année approche, on prend tous des nouvelles résolutions pour mieux avancer dans la vie. Cher Maxime, dites-nous, que faire des cons ? Alors, c'est difficile en deux mots de résumer le livre, mais… Dites en trois. Pour 2021, en tout cas, nous aurons affaire à beaucoup d'entre eux, autant qu'en 2020, ils n'auront pas disparu. Donc, il faudra se souvenir que la connerie, elle aussi, est interactionnelle. C'est-à-dire, lorsque vous voyez un con en face de vous, c'est forcément que vous êtes en train de perdre votre capacité d'empathie et votre capacité de compréhension. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes en train de vous laisser rattraper par la connerie. Donc, essayez de retrouver une manière de se rapporter à son environnement et aux humains qui vous entourent d'une manière qui soit capable de les désarçonner et de réorienter l'interaction d'une manière plus heureuse, c'est fondamental. Donc, ça voudra dire considérer tout ce qui vous arrive comme un défi. Considérer ce défi non d'un point de vue individuel, mais d'un point de vue, encore une fois, partagé. De penser ce partage à partir d'échelles différentes qui vous permettent, là où vous échouez, parce qu'on est soumis à tout un tas de frustrations quand même dans une vie humaine, et bien là où on est frustré, ne pas le prendre exactement comme un échec, mais plutôt le prendre à nouveau comme un défi pour rebondir et pour faire valoir son désir d'une autre manière, dans une autre dimension peut-être. Tout ça est vraiment, c'est la clé en fait d'un apprentissage qui est permanent et qui est vraiment ce qui nous met à l'école de la vie. Ah, ça c'est formidable, je crois qu'on le gardera longtemps à l'esprit, en tout cas ce soir c'est sûr, mais peut-être même pendant toute l'année 2021, où à chaque fois qu'on tombe, on pensera à vos mots et on essaiera de rebondir. Cher Maxime, à la fin de la semaine, nous sommes en France en vacances, mais sous couvre-feu, les soirées risquent d'être un peu longues. Avez-vous quelques conseils de lecture à nous donner ? Alors pour moi, Sénèque, c'est le philosophe le plus efficace, le plus bienveillant. En fait, c'est un philosophe stoïcien du 1er siècle après Jésus-Christ, qui a une élégance de plume et qui a aussi une clarté dans la vision qui sont inégalées. Il était vraiment très, très lu à travers tout le Moyen-Âge. À l'époque moderne, c'est le grand penseur des questions éthiques et je crois que c'est quelqu'un qui fait toujours du bien. Donc, si vous vous sentez heureux, lisez Sénèque. Si vous vous sentez malheureux ou malheureuse ou aux prises avec une difficulté, lisez Sénèque. Les lettres à Lucilius ont été écrites par Sénèque dans les trois dernières années de sa vie. C'est le moment où il est le plus grand, en pleine possession de ses moyens et il s'adresse à un apprenti philosophe qui est pas très très doué et qui lui soumet des problèmes auxquels Sénèque répond avec une générosité inégalée. Lisez Sénèque, c'est un vrai bon conseil. Merci infiniment Maxime, à bientôt, passez de belles fêtes, merci à vous tous qui avez eu la gentillesse de nous regarder. Je laisse la parole à Mariam que je remercie et je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, Maxime Robert. Merci pour cette intervention et merci de nous avoir permis en fait de garder le lien avec nos adhérents, mais aussi au-delà de nos adhérents, tous ceux qui fréquentent, tous ceux et toutes celles qui fréquentent notre page Facebook, parce que c'est vrai que c'est un moment difficile. Habituellement, on a des activités, il y a beaucoup d'échanges, etc. Et là, on est un peu déconnecté de notre public. Et merci beaucoup, Sarah. On va préparer de nouvelles surprises pour tout le monde.
On espère en fait avoir des conférences vraiment physiquement à Cannes au mois de janvier, fin janvier. Et puis on vous en dira plus très bientôt. Merci à tous les deux et bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.